Salut à tous les copains, c'est Jean-Fabien, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de PKXD. Ça fait trop plaisir les amis. Aujourd'hui, super challenge impossible à battre. J'espère que vous allez battre ce challenge. J'ai créé un super méga géant parcours dans ma maison. Alors venez tous essayer ce parcours, je vais vous le présenter tout de suite en image. Mais avant, n'oubliez pas que je visite vos maisons dans le jeu PKXD. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car je vais poster une annonce. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Je vais dire, voilà, mettez votre pseudo dans les commentaires et je prendrai les premiers dans les commentaires pour visiter ensuite votre maison. Donc abonnez-vous bien, mettez bien les alertes car je poste aléatoirement l'annonce « Je visite vos maisons ». Allez, maintenant, on va voir le grand parcours. Regardez-moi ça. Dès qu'on rentre, on est un petit peu dans le monde de Shanghai, dans le monde des Shaolin. Les dragons nous accueillent. Il y a les premiers mystères, les premières braises de feu qui vont un petit peu annoncer la couleur de ce parcours. Regardez, on va sauter, on va arriver dans le monde des nuages. Tout de suite, je saute. Ah, c'est le monde des nuages! Ah, les copains, je vole, je vole, je vole! Non, redescendons sur Terre. Je vais maintenant aller tout droit et on va arriver au premier obstacle. Ce premier obstacle, c'est un petit peu pour éliminer les débutants. En fait, si vraiment t'arrives pas à poser ce premier obstacle, tu rentres chez toi parce que tu seras pas capable d'aller plus loin. C'est le grand défi, les amis. Et hop, donc je passe le premier obstacle. Premier saut. Et je passe les premiers tubes. Voilà, c'est fait dans ce parcours géant. Il y a des petits confettis comme ça pour nous accueillir. Et à chaque fois qu'il y a des passages importants, je mets des confettis pour qu'on sache un petit peu où est la sortie. Donc là, je saute et hop, on va passer là. Et attention les amis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais ah, de la lave! De la lave partout les amis, il y a de la lave partout! Non, on va tous mourir! Non, regardez ça. Il y a tout simplement un premier parcours à passer au-dessus de la lave. Donc ceux qui tombent seront brûlés vivants. Donc attention à vous les amis, restez bien sur les plateformes et attention, on va sauter, hop, première plateforme, deuxième plateforme. Bon, j'avoue, le premier passage comme ça est assez compliqué à passer, donc franchement, va falloir vous entraîner énormément dans ce parcours. Hop, on y va, on va recommencer, on va chier, on va réessayer, hein, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Hop là, je saute, hop là, hop là, hop là. Donc n'hésitez pas à bouger bien la carte. Je brûle, je brûle! N'hésitez pas les amis à bien bouger la caméra parce que ce sera un petit peu la meilleure façon de sauter, c'est vraiment de bien ajuster la caméra à chaque fois. Voilà, donc là le saut il est un petit peu chaud. Voilà, hop, première plateforme. Et attention. Allez, on se retrouve sur la deuxième plateforme. Attention, attention, attention. Hop là. Hop là. Et regardez. Première récompense au bout, on voit les petits confettis, on va sauter! Oula! Et regardez, il y a encore un passage ici, on va aller tout droit. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Secret. Et là, on va rentrer dans les tentes. Oh, premier passage dans les tentes, mais c'est un petit peu le temple maudit par ici! Allez, on va tout droit maintenant. On va passer, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Les premiers, l'épreuve des poteaux, l'épreuve des tuyaux, va falloir aller tout droit. Je suis tombé, mais heureusement, j'ai pensé à tout. Si vous tombez en plein milieu, il y a un endroit pour remonter, voilà, pile poil ici. Donc ça évite de tout recommencer à zéro. Mais vous allez voir, ça va se corser. Alors, n'oubliez pas aussi les amis que vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez que je vous visite vos maisons. Donc abonnez-vous bien à la chaîne des jeux mobiles. Et comme ça, je visiterai vos prochaines maisons. Alors tout de suite, on va passer le premier obstacle. Hop, hop, hop. Et on va faire le tour comme ça en grand, hein. C'est... Ah! Là, faut pas tomber. Car si tu tombes, tu recommences à zéro, hein. Si tu tombes dans la lave, faut tout recommencer. Donc là, attention, un peu de concentration. Oh là là, j'ai peur. Oh là là, j'ai peur. Oh là là, j'ai peur. Oh là, je passe. Oh là, je passe. Oh là 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 là, là j'ai eu peur. Allez, on continue de faire le tour. C'est vraiment le parcours des enfers, là. Attention, hein. Donc là, je saute. Hop là. Oup là, oup là, oup là, oup là, oup là. Et des petits confettis pour nous féliciter, voilà! Oh là, regardez quand même. Regardez de loin ce que ça donne. Aïe, 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 mais c'est immense! Mais il y a des pièges partout, les amis! Mais qui va réussir ce parcours? Je vous mets donc au défi d'aller faire ce parcours. N'hésitez pas à dire si vous avez réussi à le passer. Car il y a vraiment plein de pièges partout! Oh, regardez, il y en a partout. Et après, il faut passer par en haut. Mais c'est un vrai labyrinthe, ce truc! Oh mais non, mais c'est fou. Mais c'est fou, non. Oh non. Faut tout recommencer. Voilà les amis, pour tous les fans de PKXD, essayez ce parcours dès maintenant.
N'hésitez pas à m'ajouter en ami aussi dans le jeu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo PKXD sur mobile. Et d'ici là, amusez-vous bien! Salut, c'est la rentrée demain. Réveil à 7h du matin. T'as mis 15 portables à sonner. Mais t'arriveras pas à crever. Ça y est, c'est la rentrée demain. Réveil à 7h du matin. T'as mis 15 portables à sonner. Mais t'arriveras pas à crever. Encore un dernier épisode avant de se coucher. Tu finis par mater toute ta saison en entier. Déjà minuit, y'a plus de série sur Netflix, c'est fermé. Demain, ça me mettra au boulot. T'as tout cher sur le net si la rentrée est annulée. Mais non, t'as porté pas encore ton pet d'un fossé. N'essaye pas de coûter ce message à ton lycée. Combien de retours pour faire décaler la rentrée? C'est la rentrée. Tu finis par mater toute ta saison en entier. Déjà minuit, y'a plus de série sur Netflix, c'est fermé. Demain, c'est mettre au boulot, t'as oublié.